et ça il y a là d'abord qui dans une première rencontre qui a déroulé dans maison Blanche côté président Joe Biden avec chef entreprise et qui est chef à côté délégation Kenya. Il parle certainement de affaires, d'opportunités parce qu'on est des gens de voyage ça il toujours représenté une sorte d'opportunité pour et pays pour le président visiteur là pour chercher de nouveaux marchés pour pays. Donc c'est le cas du président Kenya et il vient avec délégation justement pour chercher de nouveaux marchés. Donc Kenya à chaque fois visite ça une opportunité là dedans. Donc c'est déboucher la chercher très certainement et par ça le sens de motivation encourager entreprises américaines pour venir investir au Kenya. En même temps pour ouvrir marché à tout permettre que du Kenya retour rentrer aux États-Unis tout quelle que soit l'opportunité. Donc ça permet de créer opportunité les deux côtés, investissement fait d'un côté pour créer travail la caille pays et la caille pays en Kenya par exemple et puis pour du que qui fait au Kenya retour et même pas venir aux États-Unis finir dans c'est ça qui permet que l'économie pays a bien marché. Donc ça c'est aspect ça que nous gagnons. Donc nous avons que après le président dans Washington, arrivé après que M. Tenier a fait une escale dans Atlanta. Et quand il était passé environ deux jours, plus passé deux jours, et pour arriver là, alors nous pouvons regarder l'autre aspect et rencontrer l'aspect aspect politique. Là. D'abord, c'est pas jeudi qui est vraiment actif qui a commencé. Le président Kenya lui-même, par une cérémonie là, qui a déroulé des domaines là, côté de la garde là, des domaines là. Donc, par une cérémonie, c'est là que monsieur a rentré dans la porte, ça, là, pour entrer dans la porte de la garde là. Et c'est là qu'il a rentré pour là, justement. Et rencontrer avec le président Biden. Après, parlons tête à tête, sans rencontre tête à tête côté du chef de l'État. On va discuter des relations bilatérales entre les deux pays. D'abord, son compliment, son bon bagage lié pour Kenya, parce que ce n'est pas facile qu'un président américain, même demandé si ça, en fait, même qu'un président américain accueille un président africain en termes de pour dans une visite d'État. Donc, les visites d'État qui s'allient par là dans les salles dire. Donc, et monsieur l'a vu dans la visite d'État que l'a fait, donc le cas là. Et ensuite, il parle tête à tête avec le président Joe Biden, justement, pour discuter. Et relation bilatérale en deux pays, qui est amélioré, qui est capable de faire plus bien, etc. Ensuite, la portée économique, pour qui les États-Unis sont capables d'aider Kenya et continuer à avancer parce que Kenya a été une référence en termes de peacekeeping ou encore mission maintien la paix à travers le monde. Mais Kenya a participé dans plusieurs missions de la paix, c'est peut-être qu'ils ont fait que l'idée d'accord pour point et mission Haïti. Et que tu as une difficulté de la Kali en termes de monde qui t'a contesté, opposition t'a contesté, il est allé dans le tribunal, ça n'a pas marché, donc mission l'a continué. Donc ça c'est côté que Kenya lui-même lié pour lui et pour les jeunes. Donc les États-Unis peuvent aider Kenya dans ce sens-là. Ensuite, il y a un dossier Haïti. Le dossier Haïti, là, pour que les difficultés difficulté pour les jeunes pays pour accepter, parce que c'est bon, une mission maintient la paix qui va en Haïti à son mission de sécurité que lié, même là que les Nations Unies et d'accord, le Conseil de sécurité a l'équipe d'approbation pour mission ça a fait. C'est seulement été besoin de patron pays pour accepter pour prêter la mission. Les grands ténors, par exemple, et les États-Unis, le Canada, ils n'ont pas tellement chauffé pour être prêter la mission pour quelle que soit l'implication stratégique là-dedans, ils ont raison par eux. Mais en principe, Kenya est un pays qui a accepté pour des permissions. Donc, c'était déjà les États-Unis, plusieurs fois, plusieurs délégations et américaines allées au Kenya même pour aller rencontrer l'autorité. Ensuite, une délégation haïtienne pour aller au Kenya, rencontrer les délégations policières, rencontrer même pour discuter et discuter la situation politique, la situation sécuritaire, qui est Kenya capable de faire pour aider, pour supporter et même réussir la mission. Parce qu'il y a une mission et Kenya en Haïti et important pour lui réussir parce que vu que l'investissement que les États-Unis font, la démarche que les États-Unis font et la mission ça, par exemple, l'aspect logistique là, les États-Unis sont pas censés pratiquement ses responsables à ce logistique jusqu'à présent, c'est qu'ils ont construit tout le bagage pour permettre que les soldats
non seulement en Kenya, mais l'autre soldat qui a sauté dans l'autre côté, ou bien le policier qui a sauté dans l'autre côté, qui a venu participer à la mission, ça pour nous tout le côté collé, pour permettre que la mission soit bien réussie. Une déclaration que, par exemple, la police nationale a fait sous question, elle a dit que ce n'est pas Kenya qui va diriger, qui va conseiller des bails, c'est eux-mêmes qui ont fait ça, les initiatives, la coordination, c'est la police nationale qui a fait, ce n'est pas Kenya. Et donc, encore, il s'ajoute des informations à sauter. Mais j'aime tout là. Et c'est une rencontre qui est aussi important pour Haïti, aussi important pour les États-Unis, qui est censé permettre des moyens logistiques pour la mission. Et de l'autre côté, c'est souterrain même, c'est qui est capable de combattre du phénomène de sécurité qui est censé représenter un handicap pour. Quelque chose à sacrer fait à l'avenir, là. Par exemple, pour les élections, par exemple. Et on conseille, c'est vrai, mais les élections, il faut qu'il y ait une condition de sécurité assez en place pour permettre que les électeurs, pour permettre que les candidats mènent une campagne, les électeurs aient une sécurité, assez, pour ajouter du temps, pour choisir un nouveau leader, d'après le règlement. Et ça qui dit, eh bien, le 7 février 2026, tu as de un nouveau leader, un président élu, qui a pris un plan en main, conseil président. En cas de planification, tu as fait, mais le premier groupe là, tu es arrivé, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit que le groupe là, il y a rien de la souplesse déjà, mais pour des raisons de sécurité, donc pas de bruit, il n'y a pas de bruit à ça, il n'y a pas de bruit à rien, mais sur le plan local, l'autorité locale ne va pas dire rien sur question là. En fait, pour ça concerne le déploiement forcé, il y a été une grosse cérémonie dans la Maison Blanche, que dans la Maison Blanche, c'était où les tapis rouges pour le président kenyan, William Ruto, qui a fait une visite d'État 4 jours dans, aux États-Unis. Eh bien, bon, visite a probablement fini jeudi. Donc, en fait, c'est un gros déploiement, une grosse cérémonie. Eh bien, il y a soit un dîner d'État pour lui-même. Tout cela, tu es en compte tête à tête entre le président Joe Biden avec le président Kenyan. Et tu es justement passé en revue aux relations de pays qui sont les États-Unis pour l'aider et qui sont les États-Unis qui fait pour permettre que Kenya vienne en force dans l'Asie de l'Est, là, surtout dans le combat des terroristes. Et parce que dans la zone Afrique de l'Ouest, là, c'est pratiquement leader militaire qui l'a donné. Donc, les États-Unis, c'est un gros honneur. Et en plus de ça, c'est des façons pour remercier le fait que le choisi pour l'été prendre tête aux missions multinationales et qui prennent en Haïti pour garantir sécurité. En tout cas, dans la déclaration et pendant la conférence de presse conjointe qui était faite entre deux leaders, donc, d'abord, le président Biden m'a dit pas bien, étant dit pas voué troupes en Haïti. Et pour raison parce qu'il dit que pour mauvaise interprétation, ça qu'assemble avec occupation, ça consomme le bail, donc pour raison ça, il t'a dit pas pour. Mais il t'a dit qu'il y a un FM, bon côté Kenya, et il a bail tout le moyen nécessaire, il y a pas engagement qu'il y a bail Kenya, il y a bail 300 millions de dollars pour faire bâtir mission, et puis de ça, les États-Unis a bail tout, équipement, logistique, renseignement, et tout moyen que tout ça que les États-Unis besoin, tout ça que Kenya a besoin pour une mission réussie, d'après sa déclaration président Joe Biden. En tout cas, président Kenya, beaucoup de parler, William Ruto lui-même qui était dans la conférence là, et bien lui-même lui dit que lui-même pays, et c'est un devoir pour pays lui-même pour aller aider un pays qui en a besoin, et que c'est responsabilité de tout pays côté que nécessité pour Albaï concours, pour Albaï concours, et que question sécurité, c'est les gains sécurité en côté, ou bien les gains et dangers en côté, c'est le danger arrêté pour tout le monde. Donc, il dit que c'est pour raison ça que Kenya lui-même d'accepter bah, et prendre cette mission ça. Et que, pour un point de vue d'expérience, et Kenya a gagné près de 40 ans, il a participé dans ce genre de mission, la paix à travers le monde, et licité 47 pays. Donc, il dit, au point de vue d'expérience, et Kenya Gisman. Mais il dit que, et il a demandé qui est-ce qu'on, il a demandé président Biden, qui est-ce qu'il pensait que Kenya est capable, il y a moyen pour les combattre Bandiol. Il dit, oui, ça, c'est capable. Kenya lui-même, il dit tout lui-même. Et Bandiol, il était comme monde qui n'a pas de religion, il n'a pas de CDS sans foi ni loi, qui n'a pas de rien, il n'a pas même de langage, même, etc. Il dit que, bon, ça, c'est pour fonctionner avec eux.
Jean Lia ou pas qu'à pitié avec eux, c'est selon la loi. Et puis c'est mettre en état, hors d'état de nuit, on peut pas suspendre, faire préparation souffrir. Donc monsieur prend tout ça. Et puis nous, j'ai l'idée comme quoi c'est les États-Unis qui mettent en paralysie. Il n'y a pas aucune indication qui montre que les États-Unis fait accepter pour faire partir de la mission. Il dit au contraire que c'est peuple kenyan qui bat émission, le parlement kenyan bat émission. Et bien, donc il va travailler à côté police nationale là, et pour l'accompagner pour la police nationale pour faire travailler ça, et pour faire travailler sécurité. Il y a un plan de travail déjà, il y a discuté plan de travail ça, qui déjà d'après et framework, ou bien encore d'après et agenda, ou bien calendrier Nations Unies mettait devant, et bien il dit qu'il y a tout le mandat ça, et pour ils ont ça, il pas le travail. Donc il dit que lui-même c'est, si j'en parle, c'est un coup, c'est pour ne faire pas, donc monsieur Negameo qui a casé brise en bas, il dit monsieur Rangé Koyo, et même il y a venu et il parle, il dit que la vie de travail est difficile, donc Haïti le considère comme ça. Donc il dit qu'elle pas quoi que il est capable, il va faire échec ou il va faire bécater. Donc mission là, c'est une mission qui est réussie. Donc c'est comme ça, donc c'est confirmé. Et mission, bah, c'est vraiment mission que le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé depuis plusieurs mois. Donc c'était pour un an. Donc ça veut dire que nous presque arrivés dans un an, peut-être que nous n'avons pas arrivé. Les Nations Unies pas obligé de renouveler mission, même là que nous pouvons commencer. Mais pour des raisons logistiques, mais l'Assemblée nouvelle qui publie dans le journal des journaux américains, et bon retard dans le déploiement de mission. Hein, pour des raisons logistiques. Et qui peut comparer, qu'il y a manqué bagarre, manqué équipement sur place. Donc monsieur voulait que faut que d'abord prêt. Pour le service du tout plat, on met rentrer qu'on y a la vintra. Donc, en attendant qu'il y ait un travail de construction qui a fait dans l'aéroport pour préparer, écoutez, que soldat aéroport est pratiquement prend logement. Si qu'après, ça veut dire qu'après, il y a un préparé par un qui dit que il y a déployé en province, mais surtout pour amener dans la capitale. Pendant ce temps, bon dieu, mais il continue à opérer, monsieur, il continue à craser infrastructure et police nationale là. Commissariat qui a été attaqué déjà, mais qu'on a fini de craser honnête. Et cela est, et police a pas fait aucune réaction qui fait à et pas informé même si il a informé que et monsieur t'a crasé on c'est le commissariat bon pas gain aucune intervention qui fait pour empêcher que le fait ou pour empêcher que le continuer donc tout on attend et tout on a posé question pour qu'on ça cap passer en tout cas conseil présidentiel et transition hein, il a rencontré avec délégation kenyan en Haïti et justement pour discuter des questions stratégiques très certainement qu'il va partager avec la presse conseil a été fait en conseil des ministres avec le gouvernement intérimaire. À côté, il y a intérimé exactement toutes les décisions, quelques décisions qui étaient déjà prises, comme majorité qualifiée dans le conseil-là, 5 sous 7, au lieu de 4 sous 7, et tout ça qui était nécessaire, qui certainement voyait dans le journal Le Moniteur. C'est pas tout bien, non, qu'aller dans le journal Le Moniteur, il y a pourquoi aller, mais quand même, au plus ou moins, il voyait quelque part aller toujours dans le journal Le Moniteur. Puis, question de sécurité, il y a 3 missionnaires américains qui ont un orphelinat en Haïti, parce qu'ils sont à la capitale à Port-au-Prince, mais ils ont tombé dans l'embuscade. Et bien, l'embuscade là, et nouvelle lieu, d'après ça, Emmanuel Dino, et bien, 3 missionnaires, ça, ils ont perdu la vie, yo, donc pas de guet à priorité, mais l'hôpital, etc., parce que monsieur prend une embuscade et ils ont éliminé, ils ont tué. Donc, alors que le missionnaire Sarao, c'est un lien familial avec un parlementaire américain. Et donc, plus nous avancer, nous allons avoir plus de temps encore sur l'autre bah, qui fait. Mais tout ça fait partie et qui se remonte comme une situation terrain vraiment un truc difficile au moment que question a posé pour demander qui les forces sécurité a venu. Rappelez que le monde qui était qu'on a contre la sécurité, bon, il n'y a pas parlé encore de ça encore du tout, donc tout le monde a eu l'étape tonne. Et puis, il y a faut qu'on fait pas qu'on a pour conseiller présidentiel là, et bien, il y a étudié le dossier et le monde qui pose des candidatures pour poste premier ministre, c'est environ 200 candidats. Donc, qui a réduit, il était dit, il a réduit en premier temps à 15, ensuite il a réduit à 5. Ensuite, à toi, ensuite, il a fait un vote pour qu'on ait que. Mais d'après ça, comme ça, il était probable que, dans le fin de week-end, là, nous t'as qu'on ait au moins qui est-ce qui va le premier ministre, qui va le former le gouvernement, et il va former le gouvernement. Donc, on fait d'autres qui déjà établi, déjà, et d'après ça, comme ça, il a fait, et comme ça, il a même fixé les élections
pour 2025. Pour janvier décembre, pour décembre 2025, donc très certainement, il y a parlé d'installation d'un nouveau gouvernement, un nouveau président avec tout dirigeant et autres institutions de 7 février 2026. Qui l'autre point encore qui s'est dominé l'actualité? Pratiquement, ça c'est un grand point dans ces visites au toit et qui bien coordonné avec déploiement force là. Donc, monsieur Outo Jeune, un gros support aux États-Unis et très certainement, et États-Unis pour être pour lier d'elle. Et puis, États-Unis dit pour aller des congrès à tout pour déclarer Kenya comme un partenaire États-Unis qui pas fait partie alliance l'OTAN. Et bon, monsieur Outo lui-même est tombé. Mission ça, voilà ça. J'espère que d'abord, d'être pour pays, il y a des problèmes de technologie, problèmes et combattre et changement climatique, etc. Donc, j'espère que les États-Unis peuvent camper à côté de lui et j'espère que retomber, voir ça à pied de lui. Et puis, tout lui plaît, son plaidoyer pour, pas seulement pour lui-même, mais pour pays africains autour, surtout pays endettés, pour des moyens qui sont disponibles pour permettre que pays ça pas utiliser les mêmes ressources que gain pour aider. Pour payer dette, alors qu'il n'est pas capable même manger la caillou, donc il faut qu'il y ait d'autres moyens pour. Ça, que les États-Unis pourraient être capables de faire, ils pourraient demander des bailleurs de fonds internationaux, puis ils créent d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres façons pour payer ça, cap croupi en banque de dette, et pour voir dans quelle mesure pays ça est capable de continuer à payer des dettes, mais en même temps, pour gagner l'autre, au lieu qu'il y a fouillé, mais pendant, tu sais, ce gain pour payer des dettes, mais quand même, et j'ai un autre moyen encore pour soulagement, donc son sort du soulagement, et dette que le président Biden dit, pour demander, etc. Donc, et tout le bail, ça, c'est le bail qu'il fait dans le Congrès, nous avons procuré 300 millions de dollars au président parler à tout. Donc, ils sont conclus d'abord que le Congrès doit approuver, et puis, justement, pour mettre disponible pour, et, monsieur, mais après tout, les États-Unis travaillent, ouais, dans quelle mesure qu'on va commencer, et lancer mission SILA. Je dis à Jacqueline en vacances, c'est un long week-end aux États-Unis, long week-end. Et dans son week-end pratiquement, manche long. Les lundis inclus dans le week-end, dans le week-end, manche long. Donc tout le monde sait. Donc c'est Memorial Day, donc c'est fête jour du souvenir pour le monde qui est tombé dans la bataille pour liberté. À travers le monde, américain surtout. Et c'est fait ça qu'a célébré et lundi, bon, depuis jeudi à là, alors américain tout profiter de ça, puis voyager de préférence, aller avec famille, au monde qui a venu dans le cimetière à Lincoln, mais monde qui parle rendre hommage, donner hommage avec Morio, etc. Donc, et tout comme ça. Donc, son grand activité, c'est depuis des dizaines de millions d'Américains qui ont voyagé, qui ont voyagé dans l'avion, qui ont voyagé dans le train, qui ont voyagé dans la voiture, tout. Non, pas qui va la vie. Il y a un qui a voyagé dans la voiture, donc c'est plusieurs millions d'Américains qui ont voyagé au moins 60 km de la Cayo, pour y aller 14 ans. Donc, c'est juste depuis jeudi jusqu'à pratiquement lundi. Lundi, c'est le retour, là. Et le tout après tourner. Et parce que normalement, il faut aller travailler. Faut aller travailler. Donc, c'est ça qui passe. C'est un long week-end, ça. Donc, c'est célébration, ça qui vient. Donc, Jacqueline, prends joie à tout. Donc, c'est toi à célébrer. Et sans nous-mêmes. Bon, nous n'en cas là nous-mêmes. Et nous avons une émission après-midi. Et nous allons parler un petit peu de dossier Haïti. Nous allons parler tout est une réaction. Tout est un groupe. Les Comoko d'Action de New York qui lui-même est venu manifester. Et d'abord, reprocher le président Kenya, dit qu'il semble une poupée, toile, que c'est une marionnette liée dans le président américain, et que ce n'est pas capable de faire Haïti ça, ce n'est pas l'argent pas capable de faire la danse pour lui faire ça, pour lui faire ça, pour le faire, etc. Donc, c'est mettre le devant. Donc, le groupe a été manifesté, a fait une manifestation à 3 temps, une devant Maison Blanche, non? Ensuite, ils font une devant l'ambassade Kenya, ensuite, ils font l'autre, devant l'ambassade d'Haïti dans Washington. Donc, 3 entités qui concernent eux, eh bien, monsieur, t'as le devant porte là, devant porte yo, eh bien, ils ont cassé, maintenant, tout le monde, que ce soit le président Joe Biden, que ce soit le président Outo, eh bien, ils ont cassé, maintenant, de toutes les manifestations, ça, qu'on a fait, n'a pas entendu encore, bien, visiter la plateforme, non, encore, ouais, monde qui t'a parlé, mais le groupe là, les Komokoda, son groupe haïtien qui est dans New York, et qui te fait voir la ville dans Washington. Ensuite, week-end ça, tout, c'est la fête des mères. Fête des mères, c'est nous, après, c'est le dernier dimanche. Il y a un seul moment
Nous toujours dis ça, au petit gon seul moment. Il rap au petit tagué plusieurs moments. C'est un seul moment petit tagué. Donc ces moments, ces jours ça yo dernier dimanche mois mai que yo est dédié pour justement pour nous montrer maman nous comment nous aimer. Bon, pas maintenant quitter moi. Ça va gagner longtemps mais quand même. Petit c'est famille et député républicain Missouri qui mourir Haïti là. Ça veut dire ça, qui est capable, peut-être, quand même, qui a servi comme un petit point, dans le désavantage de Biden dans l'élection Calvini là, États-Unis. Qui donc, je dis, hein, les que nous regardons, les que nous analysons, les que nous questionnons ensemble de ça, yo, moi, je dis que, est-ce que c'est ça qui peut arriver pour que l'autorité américaine comprenne que, maintenant, quelle situation que nous y est. Et m'a toujours dit, c'est pas vos émissions en Haïti avec solution. Parce que nous avons 20 000 missions, nous avons 30 000 soldats, 50 000 soldats, 1 million soldats Haïti de différents pays. Mais depuis que, question ZAM qui a sorti États-Unis, ZAM qui a transité Saint-Domingue pour entrer Haïti, depuis nous pas bloqué Van Sayo, c'est comme s'il avait mis essuyé à terre. N'a tout nek sa yo. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 25 ans, n'a revivre une situation de sécurité pi mal que ça. Parce que ça n'a vivre là. Nous t'es vivre en 2004, même là ça pi mal que ça. Mais c'est après 20 ans que nous vin à vivre ça n'a vivre là dans dimension ça. Est-ce que nous va prendre 20 ans encore pour nous vivre vivre ça? Est-ce que nous avons pris 5 ans? Est-ce que nous avons pris 10 ans? Je ne sais pas. Mais moi-même, ça m'a toujours dit. Moi, pour éradication, il faut éradiquer. Il faut éliminer l'insécurité. Éliminer net. Je ne dis pas que c'est un cas de criminalité, un cas d'isolement, non. Mais cette histoire, nous avons couru dans la zone, nous avons touillé, nous avons mis des faits, nous avons violé, nous n'avons pas marché, nous n'avons pas circulé, nous n'avons pas investi. Diaspora va rentrer à Haïti. Il faut que ça suspende. Il faut que ça suspende. Parce que je dis, hein, et pas seulement moun Haïti qui prend pression, yo, et pas seulement moun qui Haïti physiquement qui prend pression, yo, mais moun qui dans la diaspora tout, qui pas dans financer vos examens en Haïti, y a prend de gros pression là tout, et y a prend de gros stress parce que y a toujours veillé téléphone, y a toujours veillé un appel, y a toujours gardé réseau, hein, pour est-ce que y a pas le dit qu'on moun qui mourit, est-ce que moun ça pas fait mieux que lié? Et y a dit tout, est-ce que qu'on moun kidnappé, est-ce que moun ça pas fait mieux, pour pas voler l'argent américain? Tout ça, yo, c'est de pression, c'est de stress que exécute un Haïtien, hein, mettez Haïtien qui en Haïti et mettez Haïtien qui en diaspora. On monte comme Marie Jasmin, Marie Nosifor, Jenny Baptiste, Elinor TV, tout ensemble de moun sa, en pile là, que m'konne, qui c'est de moun qui va en Haïti. Et tant de l'autre moun encore, qui amis qui bouquent tout côté là, ça veut dire c'est de moun qui besoin que, et c'est que le résoudre, et qui besoin que, yon même tout comme Haïtien, que yon capable de retourner la caillou. Et permettre que yo gère question insécurité, hein, et permettre que yo ka al investi, parce que deux ressortis américains sa yo, yo c'est des missionnaires qui te gen orphelin en Haïti et qui te décidé à aider ensemble si moun. Peut-être si moun la yo te prend, peut-être si moun que pa ou pa capable ki pe yo, yo t'ap aidé, yo t'ap fait social. Réfugié tout simplement dans un autre pays, soit qui est toujours en Amérique là, ou bien qui en Europe. Qui ça nous fait? Et ensemble des pays ça yo, qui crée des espaces pour recevoir migrants yo, est-ce que yo pas font calcul préalable sous revenu économique que yo cap fait avec turbulence qui gagne dans pays qui bouleversé yo, avec monde cap déplacé qui pour venir yo? Qu'est-ce avec Kog qui a soutien dans le pays? Vous regardez, et dès le commencement, au début, vous avez connu combien de Kog qui a fait? Parce que la majorité de ça, qui a quitté le pays, il a quitté avec 1 000, 2 000, 3 000 dollars américains. Ça, il peut investir, il peut dépenser dans l'économie du pays côté Alia. OK? Et les gens qui peuvent continuer de travailler, avec l'instabilité qui est la caille, ils n'ont pas d'opportunité pour venir investir. Si vous avez une opportunité pour venir investir, yo t'a pral fait, c'est ce qu'on appelle développement richesse qui t'a pral rendre au paquet l'autre monde une chance pour joindre un petit travail. À partir de travail ça, déséquilibre social qui gen là aujourd'hui, qui permet majorité jeunes garçons, jeunes femmes en d'un pays d'Haïti
plus grande option que vous avez tête, yo, c'est soit y aller dans un gang. Alors, gang, vous faites ça pour vous mettre bel tennis, pour vous gagner un petit machine, et pour vous gagner l'argent pour vous exhiber sous plateforme réseaux sociaux. Moi, je suis bien aimé qu'on est. M'ta bien aimé, yon zami internet kap gade kap tande la. Dim ki kote nan mode lak pa gen problème insécurité. Mais ça n'a pas konnen nan pays d'Haïti, hein, li incomparable avec tout l'autre côté que nous ta ka di ki existe à travers monde la ki gen insécurité. Ça kap passe à la, li plus que yon guérilla. Qui jeune capable de résoudre li? Est-ce que modèle moun ki a proposé, ki pou vin avec résolution sa yo la, yon kap vin résoudre tout bon vrai, parce que yon même yon fait partie, assemblage de problèmes que nous gen la, je veux dire. Côté niveau conscience, chaque grain monde cap touché dans l'état qui cap permettre que ça sans eux qui pas jamais décidé faire rien. Suite avec crise qui vient là yo. Ouais, on coupe étranger qui vient là, qui vient investir et dans ça qui lié avec question orphelinat ou vinn faire social. Yo perdu la vie yo parce que yo vinn aider. Combien de monde orphelinat ça gagne? Qui prise en charge que l'état haïtien déjà envisagé pour appliquer ou bien pour prendre dans intérêt ti moun sa pour empêcher yo pa joindre l'ambo sans jour yo pa joindre barbecue yo pa joindre Jeff Canaran pour pa aller dans plein pour pa joindre chez méchant. Combien moun qui à travers pays ya qui pratiquement a investi dans ça qui relé orphelina tout à l'heure ou font parenthèse souffre d'une zone pas fait moun. Mais vous pas qu'être l'autre monde en dans pays il y a qu'à faire même travail avec Félixon qui peut-être pas fait qui pas fait même quantité bruit n'était pas ça la situation pas de monde qui connaît qui côté n'ta pied avec mon petit monde qui dans la rue en plus fois qui relé cocorature parce que recrutement massif adolescent que chef gang a fait dans niveau ghetto qui côté 20 monde sorti dans la rue avec jeune oui mais pour y a tout il mérite qu'il réfléchir qui ça cause au papa entendre avec un maman ou bien une fille avec un garçon, entendre yo pour bailler naissance avec un petit monde pendant yo pas préparé pour te supporter petit monde là. Les repenser l'autre Haïti là, les faire l'autre Haïti avec situation nous besoin penser à ça. Nous besoin des balises oui depuis l'hôpital et c'est garder moun yo. Et c'est garder moun yo qui viennent pour la première fois viennent faire prise en charge de grossesse que yo gagnent et pour chercher les données. Pour nous connaître le pourcentage que l'État a investi pour accompagner les parents avec Timoun et qui sa parent qui est disponible pour accompagner Timoun. Pour ça, vous avez besoin d'un groupe de Timoun qui fait dans la société, qui est sensible pour réputation familiale, qui est sensible pour nationalité. D'être haïtien, son paquet de bagaille. On est haïtien, vous un paquet de bagaille. Haïtien bataille pour l'indépendance. Haïtien bataille contre l'esclavage à travers le monde. Ça réduit un paquet de bagages. Colons, yo, yo pas jamais pardonner pour ça. Parce que nous mettons en retard. C'est pas sans raison qui permet la République dominicaine pratiquement à développer une haine à l'encontre des pays d'Haïti. Parce que chaque fois que vous regardez, vous attendez que le pays d'Haïti est barré au bourrade pendant plus de 25 années. Et vous regardez dans qui est Haïti, vous avez posé cette question. Est-ce que c'est pas parce que Haïti te mette maintenant pas pour te battre pour goûter au bourrade qui rend que vous tardez comme ça? Il a fait nous payer pour ça. Là, nous voulons comprendre ça. Qui ça nous décide de faire? Est-ce qu'on a continué à faire tchoul? Est-ce qu'on a continué à être dans le processus ou bien dans l'initiative Pion? Est-ce qu'on a toujours été bien rapport mettre avec l'esclave? Dans l'effondre des pays, dans la ville plus difficile? Et même le monde qui a servi, je dis, c'est eux-mêmes qui pourra l'aveline pita parce que c'est eux-mêmes qui pourra le sanctionner, qui pourra le dire, c'est volé, nous devons créer gang dans le pays. Oui? Qui l'a privé de prendre conscience, qui l'a paraît devant miroir pour nous garder des visages, nous? L'arrivé devant miroir, ou un visage chargé, graisse, c'est pas miroir pour grasser parce que miroir est reflété, ça le vient là. C'est image que miroir reflété. Sous tes sénateurs, ou tes députés, ou tes magistrats, ou t'es président ou t'es premier ministre, ou bien t'es ministre, ou pas innocent dans ce qui a passé dans le pays, qui ça ou t'es fait pour le patrivé là? Et ça qui a dessiné là, qui ça ou entend fait pour dire non avec M. Damio, qui est notre conseil présidentiel là, malheureusement, chaque fois qu'il a parlé, nous sommes obligés de parler de bagages ça qui loue en pile,
pour parler du conseil présidentiel, pendant nous avons parlé des présidents, les présidents de la République. OK? Il a pratiquement fait le tourner. Il y a une chambre de bordel côté à faire les suivants qui est-ce qui était là avant rentrer. C'est ça qui a fait là parce que on parle des présidences tournantes. Même pour y arriver choisi premier ministre, ou senti que Nations Unies, département d'État, le Pentagone